pour ce enfant, ne t'en suis pas Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De où nous l'avons, là où nous embarquons sur l'enfant, où nous sommes tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage en tout temps. Où nous sommes tous l'enfant. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Là où nous sommes tous l'enfant. Que Dieu vous donne la paix en tout temps. Où nous sommes tous l'enfant. Que Dieu vous garde. Que Dieu fasse que cette maladie, si elle s'approche de vous, que Dieu vous en éloigne. Que le Dieu de paix sauve notre pays. Que Dieu sauve l'Afrique. Et que Dieu guérisse le monde entier. C'est encore le dimanche matin. Ton étique matin, télévision sera. Nous sommes rassemblés autour du plateau de la télévision afin que nous puissions avoir des nouvelles les uns des autres et écouter la parole de Dieu. Je demande que le Saint-Esprit nous unisse les uns aux autres. Et que le Saint-Esprit témoigne à nos cœurs que l'œuvre que nous faisons n'est pas vaine. Je me tiens là ce matin pour vous dire merci pour les prières et le combat que vous faites contre cette maladie. Yamba saka non ninga ton son kos yamba. Vous avez obéi aux instructions que nous vous avons données. Tous les chrétiens se tiennent devant la face de Dieu et ils demandent que Dieu sauve notre pays et sauve l'Afrique. La Bible nous dit que la prière fervent du juste a une grande efficacité. Je suis convaincu que Dieu écoute nos prières. Persévérez dans la prière, mes frères et sœurs. Continuez dans la prière, mes frères et sœurs. Je dis merci à la jade et au denat. Je dis merci à l'AEC et au MEB. Vous vous êtes entendu et vous exécutez les mesures du gouvernement. Vous obéissez aux mesures données par le personnel soignant. Et vous faites tout ce qu'ils vous disent de faire. Je vous dis merci. Un chrétien doit se distinguer par l'obéissance. Lavez-vous les mains au savon. Ne vous serrez pas les mains. Et si vous voulez donc vous saluer, ne vous embrassez pas. Quand vous êtes assis, vous voulez vous asseoir, que la distance entre chacun de vous soit d'au moins un mètre. Et plus que tout, si quelqu'un ne travaille pas ou bien ne va pas au travail, que chacun reste à la maison avec sa famille. La maladie est une réalité. La maladie existe et elle agit. Et je veux que chacun puisse s'informer et considérer ce qui se passe dans les autres pays. Beaucoup de gens meurent. Et jusqu'à présent, Dieu protège le Burkina Faso. Dieu protège l'Afrique. C'est pour cela que je vais vous demander ce matin. Ne cessez pas de prier. Persévérez dans la prière. Je veux que vous soyez des sentinelles. Levez les yeux et regardez loin. Et si vous voyez que le virus subit une mutation et qu'il veut agir au niveau du Burkina, demandez à Dieu dans la prière que Dieu nous en épargne. Demeurez devant l'autel de Dieu.
et demander à Dieu. Pousi pansoir ba yinga. Prier pour les autorités. Pousi l'octoyen ba yinga. Prier pour le personnel soignant. Pousi neba fangil kep yinga. Prier pour tous les habitants du Burkina Faso. Pousi à Jésus Christ ba yinga. Prier pour le corps de Christ. Te wenam twen enkit bakanga pourra bin wendoran wum kwerninga wenam santare wenam dora yinga. Et que Dieu fasse que durant cette maladie l'église entendre le message que Dieu a pour l'Église. Je veux que tous les pasteurs se réveillent. Que tous les chrétiens se réveillent. Dieu a un message pour l'Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Je sais que Dieu a un message pour notre pays. Dieu a un message pour le monde entier. Si le monde pouvait s'arrêter une minute. Écoutez le message que Dieu a pour le monde entier changerait. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu veut que nous entendions. Et cette maladie va passer. Je veux que nous puissions nous entretenir ce matin sur le thème de la valeur de la prière persévérante. Et la prière que nous faisons, certains pensent que cette prière a de la valeur. Et que cette prière aura son exaucement un jour. Oui. Un jour viendra où notre prière sera exaucée. Persévérons dans la prière. Que le jour de l'exaucement te trouve parmi les justes, ceux qui ont été des sentinelles pour intercéder. Il y en a aussi qui pensent que la prière n'a pas de valeur. Chacun peut faire ce qu'il veut. Que tous ceux qui ont confiance en Dieu se lèvent. Demeurer devant le trône de Dieu. Le trône de miséricorde de Dieu. Par l'intercession pour la gloire de Dieu. Je veux que nous lisions psaume 55 versets 17 à 18. C'est l'homme de Dieu David qui y parle. Il a levé la voix, il a dit: ya tosro, ya toro ne mam. Tuma mwonsu nwe nam tori. La bambe ou mamam, la bleu kamam. Et moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Alléluia. Alléluia. Babi pour cela, babi rapa. Mes frères et sœurs. Ad-ro-sunda-tartiebo. Voici quelqu'un qui avait la foi. Nen-sunda-ya-wen-am-dawa. Quelqu'un qui était un homme de Dieu. La warkatu-wa-zindi-tu-su-songo. La toru-yoka. Un moment est venu où la souffrance et la tristesse l'ont envahi. La warkatu-kongo. Et en ce moment, il voulait échapper à la tristesse, il voulait échapper à la souffrance, mais il n'y avait pas d'issue. Il a dit, si c'était mes ennemis qui me combattaient, vraiment je pourrais le comprendre. Si quelqu'un d'autre me haïssait, je pouvais être patient. Mais les souffrances que je traverse sont nombreuses. Je suis sans force. Et la souffrance dépasse mes forces. Et la souffrance m'a englouti. Je n'ai pas d'aide à droite, à gauche, devant ni derrière. La souffrance m'a englouti. Et elle dépasse mes forces. Et cela me fait penser à ce que dit le psaume 11. Le psaume 11, verset 3 dit:
nintira namana wena. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Foson nongo bramba sawa basfo. Si ce que tu aimes t'abandonne. Foson tera bramba sawa basfo. Si ce sur qui tu comptes t'abandonne. Foson wa katel songol ziba yembre. Si tu n'as pas d'aide nulle part. Foson nintira fonamana wena. Toi qui es juste, que feras-tu? Luna ya wala yembre la fangil kep sawa sa. Aujourd'hui, c'est comme si tous les fondements sont renversés. Le monde entier est sens dessus, sens dessous. Les autorités ont peur. Les puissants qui pensent qu'ils dominent ce monde sont sans force. Et tout est à l'arrêt. Alors le juste, que ferait-il? Et David a connu une telle situation. Et David a décidé, dans ma souffrance et dans ma douleur, voici ce que je vais faire. Je vais me rendre à la maison de Dieu. Je vais me tenir devant le trône de miséricorde de Dieu. Je sais que Dieu se trouve dans son Saint-Temple. Je vais y aller et demander son secours. Et je sais que je serai secouru. David savait que s'il implorait Dieu avec persévérance, il serait béni. S'il demande à Dieu de tout son cœur, Dieu va l'écouter et l'exaucer. C'est pour cela qu'il s'est rendu devant le trône de Dieu pour demander le secours de Dieu. Ce n'est pas seulement un seul jour qu'il s'y est rendu et il est parti. Il n'a pas murmuré quelques paroles et parti. La Bible nous dit que c'est une prière continuelle, continuelle, continuelle devant le trône de Dieu. Et il a dit, il a prié le soir. La pousse winto soka. Il a prié à midi. La pousse yungo. Et il a prié. Il a prié le matin. A pousse war kafa. Il a prié tout le temps. À David, la riniga winam gieratore. David se tenait devant le trône de Dieu. On compte winam war kafa. Et il demandait à Dieu tout le temps. Mabi pousse la, mabi rapa. Mes frères et sœurs. Zabu ninga portons sambewa. Le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un moment où nous allons murmurer quelques prières et partir. Ce n'est pas un temps où nous allons arriver, réciter nos problèmes et puis partir. Il est nécessaire que des gens se tiennent devant Dieu. Le matin, à midi, le soir, tôt le matin, des gens doivent se tenir devant Dieu et intercéder. Les sentinelles ne doivent pas quitter leur poste. Les sentinelles doivent être à leur poste tout le temps et intercéder tout le temps et persévérer et gémir et dire à Dieu, voici notre problème. Nous voulons que ce virus s'en aille et nous laisse tranquille. Et Dieu est le Tout-Puissant. Et le virus est dit puissant. Et cela signifie que c'est une couronne de royauté. Quand on dit corona, ça veut dire en français couronne. Donc et le virus a été couronné. Qui symbolise la puissance, qui symbolise l'autorité. C'est pour cela que le virus est puissant. Et même les blancs ne peuvent rien contre lui. Il tue, il détruit, il décime. C'est par la grâce de Dieu que nous les Africains, nous échappons à une telle hécatombe. Et pensez, si 8000 personnes mouraient au Burkina Faso chaque jour, où irions-nous? Mais pourtant, c'est cette maladie. Et c'est grâce à la prière, à cause de la protection de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que les Occidentaux. Et notre hygiène ne dépasse pas celle des Occidentaux. Et
elle agit avec puissance. Parce que le virus a une couronne. La mais grâce à la prière, au nom du Seigneur, la couronne sera brisée. Et lui dit, tu n'es rien devant Dieu. Tu ne peux rien nous faire. C'est pour cela que la prière a de la valeur. La prière va ôter la couronne. La prière va ôter l'autorité, le pouvoir et le poison. C'est pour cela, matin, midi et soir, le peuple de Dieu doit prier afin que Dieu détruise son pouvoir. Autrement, il peut subir une mutation. Et s'il subit une mutation, personne ne peut l'arrêter. Alors, c'est pour cela, le matin, à midi et le soir, je demande au peuple de Dieu de s'unir dans la prière. L'apôtre Paul a dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors, je demande à tout le corps de Christ, ne soyez pas paresseux. Continuez à prier. Priez dans les églises. Priez dans les cellules de prière. Priez où que cela soit. Et obéissez aux mesures du gouvernement. Et ne désobéissez pas aux lois données par le gouvernement. Et Dieu nous guérira. Dieu va nous sauver. Il s'est rendu devant le trône de miséricorde de Dieu. Et il a exposé sa souffrance devant le trône de Dieu. Et Dieu l'a délivré de toutes ses douleurs. Il a su que le moment n'était pas un moment facile. Alors, il n'a pas cessé de se rendre devant la face de Dieu. Je vous demande, mes frères et sœurs, ne cessez pas de vous rendre devant le trône de Dieu. Et obéissez au programme que nous avons donné. Et rencontrez-vous 10-10, 20-20. Si c'est une grande église, pas plus de 50. Je veux que nous puissions obéir à cette loi. Alors, si c'est au-delà de ce nombre, fermé. Et ceux qui n'ont pas pu avoir accès, alors que ces personnes comprennent. Et ensemble obéissons. Et exécutons, obéissons à ce que nos autorités nous ont donné. Si nous faisons ainsi et que nous prions avec puissance, nous allons voir l'exaucement à nos prières. De tels moments exigent des prières puissantes. Ce n'est pas le moment d'être paresseux. Ce n'est pas le moment de se livrer à des discussions vaines. Les belles paroles n'ont aucune valeur en ce moment. L'éloquence n'a rien à faire en ce moment. Que nous puissions prendre notre connaissance et utiliser la connaissance que nous avons et mettre cela de côté. Et ensemble, unissons-nous dans la prière. Intercéder afin que le mal s'éloigne de nous. Afin que le nom de Dieu soit béni. Si nous avons prenons du temps pour prier, Dieu aura du temps pour nous exaucer. Mais si nous n'avons pas le temps pour chercher Dieu, Dieu aussi n'aura pas le temps pour nous exaucer. Certains vont se poser la question. Pourquoi est-ce que vous priez Dieu à la télévision? Pourquoi est-ce que vous voulez vous réunir pour prier Dieu? Pourquoi est-ce que le pasteur Daniel est à la télé, il prêche et il prie? Oui. Quand David a connu cette situation, David ne s'est pas caché. Il a prié et les gens ont entendu sa prière. Il a prié et les gens ont écouté. Et il n'a pas murmuré. Il a élevé la voix et il a prié.
ce ne sait pas quand. Parce que c'était un moment où il avait vraiment, il souffrait beaucoup. Il y a Warkat andat ne batab nara. C'est un moment où il voulait que d'autres se joignent à lui. Il y a Warkat andalat suifana tab. Et c'est un moment où il voulait que tous les cœurs soient unis. Parbala rapa kambala kombise pour yans la nkemba. Les hommes, les femmes, les jeunes gens, les enfants, les personnes âgées et tout le monde. On pousse les pangas. C'est pour cela il a élevé la voix, il a prié avec force. C'est pour cela, mes frères et sœurs. Et nous qui ne pouvons plus nous rencontrer dans les églises, et nous avons choisi de prier le Seigneur avec vous. Je demande que ce moment soit des moments de grâce pour vous. Vous qui êtes dans vos maisons. Vous qui êtes assis avec votre femme et vos enfants. Et devant l'écran, quand le pasteur Daniel commence à diriger la prière, je veux qu'ensemble vous puissiez vous joindre à lui. Pasteur Daniel. Et joignez-vous au pasteur Daniel. Parce que je veux que les cœurs des gens s'unissent dans la prière. Persévérons dans la prière. D'un même cœur. Et d'un même esprit. Et intercéder. Ce n'est pas le moment où tu dois t'enfermer toi seul et murmurer. C'est un moment où tu dois élever la voix avec tous les chrétiens pour parler à Dieu. C'est un moment où la prière doit être fervente et en ébullition comme de la bouillie. Hallelujah. Hallelujah. Warkat yemre. Un même moment, télévision taure. Devant la télé, when I'm never humble, that's a fan person. Le peuple de Dieu qui se trouve dans les familles, là, on se fan. Et où qu'il soit, que chacun élève la voix, tu pourras fonder afin que la prière puisse agir on code, voilà, bien. Et vraiment comme de la bouillie être en ébullition. Rien ne doit empêcher notre prière d'atteindre Dieu. Où que nous soyons, alors que chacun élève la voix, priez le Seigneur. Rien ne doit empêcher cela. Priez Dieu pour notre pays. Où que se trouve la maladie. Même si vous êtes à 300 km de Bobo Dioulasso. Rien ne doit empêcher votre prière d'arriver à Bobo. Où que vous soyez, vous pouvez prier. Rien ne doit empêcher votre prière. Si vous voulez prier pour l'Afrique. Il y a Côte d'Ivoire, il y a Niger, il y a Mali, il y a Zénigafan. Au Niger, au Mali, au Sénégal, Afrique du Sud. Même en Afrique du Sud. Et rien ne peut empêcher votre prière, même en haut, au ciel, de réduire l'efficacité de votre prière. Détruisez la puissance du mal. Et que votre, du Sud. Prière, votre prière soit puissante pour arriver en Afrique ensemble, du Sud. On sent COVID-19 à panga. Et détruit la puissance du COVID-19. Que rien n'empêche la force de votre prière. Même si vous priez pour l'Amérique. Même si vous priez pour la France. Vous priez pour l'Espagne. Vous priez pour l'Italie. Même les océans ne peuvent pas arrêter votre prière. Aucun vent ne peut arrêter votre prière. Peuple de Dieu, vous avez la puissance au nom du Seigneur. Vous avez l'autorité au nom du Seigneur. Tenez-vous debout et utilisez l'autorité que Dieu vous a donnée. Combattez la maladie. Burkina Faso. Afrique. L'Afrique. La dunia fa. Et le monde entier. Biwenam kite. Bara sa wasa. Que Dieu fasse que à la fin de la maladie. Que les gens rendent témoignage en disant j'ai été guéri. La mimi tine bezine Burkina Faso. Et je sais qu'il y a des gens qui sont restés au Burkina. On pousse wenam toninga. Priez Dieu pour nous. Mamda todi yikum. J'aurais dû mourir. La wenam farama. Mais Dieu m'a délivré. C'est une prière que rien ne peut arrêter. Oui, David s'est rendu devant l'Éternel. Il a exposé à Dieu toutes ses requêtes. Tout ce que je veux que vous sachiez, mes frères et sœurs, c'est que la prière que nous faisons à la télé,
y en a qui vont la critiquer. Et les prières que les sentinelles font dans les églises. Et bien que nous obéissions aux mesures du gouvernement. Il y a certains qui vont nous critiquer. Vous qui êtes dans votre maison que vous priez. Il y a des gens qui vont vous critiquer. Mais je vous dis. Fermez les oreilles. Combattez le bon combat. Détruisez la puissance du malin. Alors, frappez la couronne du virus au nom du Seigneur. Détruisez la puissance du malin. C'est un temps de combat. Combattons de tout notre cœur. Je vais vous dire. Dans Actes chapitre 16. Paul et Silas étaient en prison. Donc ils avaient les pieds et les mains liés. Et les autres prisonniers étaient avec eux. Et ils ont commencé à prier Dieu. Et ils chantaient. Ils louaient Dieu, ils élevaient le nom de Dieu. Et même dans leur souffrance, ils priaient Dieu. Les autres prisonniers les entendaient. Il y en a qui se moquaient d'eux. D'autres même se moquaient d'eux. Et pourtant, ils avaient les pieds dans les chaînes. Et ils étaient en prison. Et on se moquait de Paul et de Silas. Mais la Bible nous dit, pendant qu'ils priaient, louaient le Seigneur, quelque chose s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre. Et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Et les chaînes qui étaient à leurs pieds se sont détachées. Et tous les prisonniers se sont levés. Ils se sont posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un miracle s'est passé. La puissance de la prière. Bien qu'on se moquait d'eux, ce que nous voulons, nous voulons voir la valeur de la prière persévérante. Je veux dire, et que la maladie s'en aille. Qui n'a pas son la fille? La paix du Burkina Faso. Afrique la vie. La paix de l'Afrique. La et la paix dans le monde entier. Et quand je vous dis de prier, c'est la prière que nous faisons. David a dit, au verset 18, je sais que mon Seigneur m'entendra. Et je sais qu'il m'exaucera. Mes frères et sœurs, ta prière ne sera pas vaine. Tiens ferme. Dieu t'écoute. Dieu t'exauce. Grâce à tes gémissements. Grâce à tes prières. Quelque chose de merveilleux va se manifester pour le Burkina Faso. Grâce à tes prières. Même le djihadisme sera arrêté. Grâce à tes prières. La paix et la santé reviendront au Burkina Faso. Que les gens se moquent. S'ils veulent qu'ils se moquent de toi. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Regarde à son Seigneur. Le matin. À midi. Le soir. Reste devant le trône de Dieu. Prends les détresses du Burkina. Et présente-les à Dieu. Prie pour les autorités. Afin que Dieu leur donne la sagesse. Et ces moments, cela dépasse leur connaissance. Mais nous voulons que les autorités aient la force. Et la sagesse. Pour prendre de bonnes décisions. Cela dépend de toi. Leur victoire repose sur toi. Prie pour les médecins afin qu'aucun médecin, aucun agent de santé ne soit contaminé et que Dieu les aide à prendre soin des malades. Alors prie pour que ce que les gens pensent impossible, que cela soit possible au Burkina. Alors que Dieu lève le personnel de santé. Que Dieu lève des savants. Que Dieu donne la sagesse dans les recherches et afin qu'ils puissent trouver des remèdes, parce que nous savons que déjà la couronne du COVID-19 est déjà tombée, trouve des remèdes pour d'autres maladies. Que Dieu nous donne une bonne journée dominicale. Et que Dieu nous donne la victoire.
Que Dieu fasse qu'un jour vienne. Ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il nous aura exaucés. Que Dieu ne Dieu ne permette. Que Dieu ne permette pas. Que Burkina Faso n'est pas sourd ou la zonce. Que les gens du Burkina meurent comme des mouches. Voilà, tiens, ça travaille. Comme dans d'autres pays. Mais ce soit vous, que Dieu écoute notre prière. Et que Dieu exauce notre prière. Que Dieu guérisse le monde entier. Christ, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.